Donc bonjour à tous. Je vais vous présenter donc Autolib, un site d'entreprise qu'on a conçu avec Django. Et en tous les cas, c'est un vrai pari de construire un système d'information avec Django parce que ça avait une dimension assez nouvelle. Donc dans cette présentation, je vais évoquer le service, l'architecture qui a été mise en place pour ce service grand public, l'organisation et les outils qui nous ont permis d'atteindre le niveau de qualité nécessaire. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le service Autolib. Il y a peut-être sûrement des Parisiens ici, ou au moins la presse en a parlé. C'est un service de location de véhicules électriques et qui a trois points très particuliers. C'est qu'il est de courte durée. L'idée, c'est de louer une voiture moins d'une heure, une demi-heure, pas plus. C'est en libre service, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous pouvez tout à fait louer une voiture sans aucune intervention humaine. Vous le faites tout à fait librement. En trace directe, vous partez d'une station A, vous allez vers une station B. Vous n'êtes pas obligé de ramener le véhicule au point de départ. Et voilà, et ces trois points-là nous ont obligés à concevoir vraiment un service de location tout à fait nouveau. Alors sur la photo, on aperçoit la Blue Car de Bolloré, du groupe Bolloré, et derrière une bande d'abonnement. Et la bande d'abonnement, c'est le point de départ d'accès au service. Donc vous avez une bande comme ça, toute vitrée, dans laquelle vous entrez, vous appuyez sur un bouton, vous êtes mis en relation avec le centre d'appel et vous avez en visioconférence une conseillère, si vous avez la chance, qui va discuter avec vous, qui vous voit et que vous voyez, avec qui vous allez pouvoir donner vos informations, personnelles. À un moment, elle vous demandera de choisir une offre. Donc vous choisissez cette offre sur l'écran. Vous avez la possibilité de donner votre carte d'identité, votre permis de conduire. Tous ces documents sont scannés, numérisés directement dans la borne et vont arriver sur le système d'information. Qu'est-ce qu'on a qui fait ça? C'est quoi? C'est quoi? Non. Non. Bon. OK. Voilà, donc vous allez aussi payer sur cette bande d'abonnement, tout ça dans le même cycle, et à la fin repartir avec un badge RFID déjà actif qui vous permet tout de suite de louer. La démarche peut aussi être faite depuis le site web, et là vous pouvez aussi faire du prélèvement bancaire et votre badge vous sera envoyé par la poste. Vous avez votre badge RFID, vous passez devant une bande de location qui va du coup vous attribuer une voiture sur la station. Vous le savez parce que la borne va changer de couleur. Vous badgez le véhicule, il est déverrouillé, vous montez dedans et c'est le début de la location. La voiture vous connaît, puisque entre-temps, et forcément, on a beaucoup d'échanges avec le système d'information. Le PC embarqué va vous appeler par votre prénom. Bonjour Jacques Martin, très bien. Vous démarrez, donc c'est un véhicule électrique, donc facile à prendre en main, il n'y a pas de boîte de vitesse. Et là, vous allez vers votre point de destination. Il y a un GPS au sein de la voiture qui permet à la fois de guider l'utilisateur et aussi de traquer le véhicule parce qu'à tout instant, on sait où se situent les voitures du parc. Vous pouvez aussi, avec un simple bouton, appeler le centre d'appel si vous avez le moindre problème. Une fois rendu au point d'arrivée, vous rendez le véhicule en badgeant à nouveau, enfin badgeant la borne cette fois-ci, en rebranchant le câble pour que la voiture se remette en charge. Et là, le véhicule est à nouveau disponible pour quelqu'un d'autre. Voilà, alors pour faire ce... Ça, c'est le chemin qu'on vient de suivre d'abonnement. C'est vraiment la feuille de route qui a permis de démarrer le service. C'était l'objectif. Il fallait qu'on arrive à faire ça. Et c'était l'objectif donc, de cet appel d'offres. C'était d'avoir un service aussi simple que ça à mettre en œuvre. Donc, le groupe Bolloré emporte l'appel d'offres en décembre 2010. Et seulement 2 mois après, on démarre les travaux. Mais là, on n'a pas d'équipe de dev, donc il faut en construire une. Et donc l'équipe démarre en mois de mars avec seulement 2 développeurs et puis monte à 10 développeurs en juin, avec pour objectif déjà dès fin juin d'avoir une proof of concept. L'idée, c'était l'abonnement que je viens d'expliciter tout à l'heure, mais dans un cas extrêmement nominal, quoi. Il fallait le suivre à la lettre, on n'avait pas le paiement, c'était vraiment proof of concept. Ensuite, on a travaillé dur pour rendre le service beaucoup plus robuste, prévoir des scénarios un peu de cas d'erreur et commencer à ouvrir le service à des VIP, des gens du groupe, à un panel sélectionné pour commencer déjà à se faire la main dans l'objectif d'ouvrir au public au mois de décembre. C'est ce qui a été fait, donc là c'est tout récent puisque le service tourne depuis 4 mois et on est déjà dans une démarche où on ouvre à de nouvelles fonctionnalités et notamment l'ouverture aux entreprises. Quel était le rôle de Polyconseil? Donc comme l'a dit tout à l'heure Raphaël, c'est un cabinet de conseil
avec un cadrage stratégique, définition, spécification du service. Donc des gens qui sont là pour conseiller les clients, pour leur expliquer comment faire les choses. C'est 12 personnes aujourd'hui. Une équipe de dev, donc nous, on est 10, pour construire ce système d'information et le site web, autolib.eu. Et aussi une trentaine de personnes qui vont assurer tous les moyens de communication, l'hébergement, l'exploit, la mise en prod, le déploiement. Le système d'information Autolib, écrit en Django, qui est au cœur, au centre, va interagir avec des systèmes hétérogènes et asynchrones qui ont chacun leur propre façon de fonctionner. On a un autre client qui vient, lui, badger sur le service. On a les voitures, parce qu'il faut toujours qu'on sache où sont les voitures, elles n'ont pas le droit de quitter certaines zones. Donc, de nombreux services de géolocalisation pour ça. On a les bornes avec lesquelles on échange, on a la visioconférence qui passe, on a de l'upload de documents quand on vient scanner ses pièces. On a des ambassadeurs qui sont sur le terrain, qui ont des PDA durcis, qui vont pouvoir savoir quelles sont leurs tâches de maintenance à réaliser. Et on a un centre opérationnel, 24 heures sur 24, avec une trentaine de personnes, qui le tournait à peu près, du coup, sans employés, je crois, Raphaël, et qui va pouvoir aider le centre opérationnel sur place, aider les clients, c'est eux que vous allez avoir au téléphone. Donc tout ça basé sur notre SI au cœur. Donc ce système d'information conçu en Django, avec... des applications. Alors, on a conçu des méta-apps, c'est-à-dire qu'on a le projet Autolib. En dessous, on va avoir une méta-apps 3W et en dessous, des sous-apps qui nous permettent en fait de servir, de bien cloisonner les URL. On divise le site web, la partie call center opérationnelle, les web services d'échange de communication externe. On garde bien tout ce qui est manipulation de modèles logique métier au sein d'une appli qui s'appelle Core et puis des utilitaires annexes. Tout ça tape dans notre base de données principale. Et effectivement, on interagit avec d'autres systèmes externes, tels que le paiement ou les systèmes périphériques pour avoir des informations de position, de télémétrie, les lectures de badges, voilà, des moyens de lecture matérielle. Alors, on va ensuite regarder point par point toutes les petites cases. Bon, OK, je vous le fais pas. En gros, on a notre 3W qui est autolib.eu, le call center. On a à peu près globalement 200 tables dans le SI. Bon, pour ça, il nous a fallu quand même quelques librairies pour construire tout ça. Donc, évidemment, on a Django, PostGIS, Sauce, parce qu'on n'hésite pas à tout casser quand on ajoute une nouvelle feature pour avoir un code toujours clean. Donc, on refactor sans hésiter. Et Sauce, il souffre aussi. On fait du Django CMS pour la partie web. Ça permet d'avoir un contenu dynamique avec les moyens de recherche qui vont bien. Piston pour l'API. Soaplib côté serveur pour le SOAP et Suds côté client. Django Resto pour le déploiement sur nos fronts du média. Django X-Workflow, il y a une conférence qui vient ensuite dessus. Django Ajax Select, quand on veut faire de l'autocomplétion sur nos modèles. Django Compressor qui nous permet d'avoir un AAA sur Wiseslow pour nos CSS et JS. Et évidemment, on a un compte Google Maps Premium pour requêter tout le temps le service parce qu'on positionne tous les stations, les voitures sur le service. Quels sont nos outils pour ça? On a... comment? C'est très bien. On a Mercurial, bon voilà, comme de VCS, avec une idée de passer à Git derrière, mais qui voilà, nous a permis de faire les 15 000 premiers commits. Un track qu'on échange avec l'équipe d'AMOA, donc qui sont, je reviendrai tout à l'heure dessus, qui nous permet d'échanger avec le client. Un Jenkins qui build toute la journée. Qui a fait 5000 builds déjà aujourd'hui. Évidemment, couverture de test, énormément de couverture de test avec Unitest, Letus et notamment Coverage qui nous permet de nous assurer que nos tests sont pertinents et qu'on n'a pas oublié les parties. Factory Boy qui est indispensable, c'est un projet open source que je vous invite à regarder. Raphaël est le mainteneur. Les fixtures, clairement, ça suffit pas à notre besoin. Factory Boy nous permet, à partir d'un modèle, de générer de la data. Et on s'en sert excessivement dans tous nos tests. Fudge pour moquer les services. Pylint parce qu'on est des puristes et on veut garder notre code PEP8. On fait de la doc en Sphinx. C'est très utile quand un nouveau développeur rejoint l'équipe. Un Sentry, je n'ai pas annoncé le chiffre parce qu'effectivement, il se fait requêter tous les jours. On est à peu près à 4 millions d'entrées Sentry, mais il nous sauve la vie dès qu'on fait la mise en prod pour avoir des retours tout de suite de ce qui foire et corriger tout de suite les 500. Au niveau orga, comment on a pu faire? Parce qu'on n'est pas une grosse équipe, donc il faut éviter de se retrouver en front avec le client. Donc, on a un mode de fonctionnement qui est celui-ci. On a une équipe d'AMOA. Ils sont là pour recueillir le besoin du client, faire des petites spécifications très légères qu'on va faire en travail itératif, et un helpdesk qui va recevoir tous les tickets de premier niveau et va savoir ensuite rerouter sur les services qui vont bien. Ça permet de tenir une boîte mail de taille raisonnable.
Ensuite, dans l'équipe de dev, on est 10. Donc, on a une ou deux personnes qui connaissent bien un sujet. On essaie de tourner quand même sur les sujets pour ne pas être cloisonné dans un domaine. On fait de la review de commit par les team leaders avant chaque release. On l'a fait aussi un petit peu entre nous. Et on fait une mise en production, une release par semaine. L'avantage, c'est quand on fait notre release, on sait ce qu'il va falloir qu'on surveille. Et du passage de dev en prod sans recette. Tac, direct. L'idée, ce serait d'avoir une pré-prod, mais en tous les cas, aujourd'hui, ça marche bien comme ça. On croise les doigts, mais c'est aussi parce que derrière, on a beaucoup de tests unitaires. Alors, pour la route, ce qui nous a permis de tenir le dev et d'avoir un service de qualité suffisante, c'est on ne dérive pas sur les coding rules, on fait une couverture de tests maximale, on a tous la même organisation du code pour que quand on arrive sur une partie, ce soit du code Autolib, ce ne soit pas du code de quelqu'un. Et le point très important, une bonne ambiance dans l'équipe. Clairement, on travaille tous ensemble, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes et on joue tous le jeu, on partage. Et quand quelqu'un pète le build, il apporte les croissants. Voilà. Voilà pour la route. Des questions? Alors, j'en profite pour présenter dans l'équipe. On a donc Raphaël, à la limite, il peut venir pour la séance question. On a le photographe Richard qui est là. On a Marc juste devant. On a Métamatique juste à côté qui va venir au mois de mai. Nico qui vient d'intégrer depuis 15 jours. Qui c'est que je. Thomas, il est où? Là. Et Thomas aussi dans l'équipe. Et puis Émeric, du coup, qui n'a pas pu être là. Et voilà, voilà. Donc, pas mal de présence ici. Question. Sur les métriques de couverture de code, vous avez énormément de tests. Quels sont les chiffres clés que vous essayez de suivre et de... On essaie de tourner, je crois qu'on est peut-être en moyenne à 70. On est en branche de vrai, aujourd'hui, ouais. Ce qui est insuffisant. On travaille à monter là-dessus. Par contre, tu es plus haut en classe. Et on, ouais, au total, dans le monde de l'île de Cœur, ouais, c'est ça, ouais. Et sur les tests unitaires, quelle est votre. Vous avez une stratégie particulière de test? Vous choisissez de tester une ouais. vue pour tester un maximum? Ouais, alors clairement, tout ce qui est dans le corps, par exemple, on va vraiment tester le comportement de nos modèles. Donc là, normalement, on est censé couvrir très bien sur tout ce qui est la partie corps. Et après, la stratégie de base, c'est on fait toujours déjà un test de vue. Parce que d'un coup, voilà, ça ne coûte rien en plus, c'est super facile à faire. Et après, ensuite, on commence à jouer avec nos vues quand on a des choses un peu sensibles où on va se mettre dans des contextes très particuliers, on va créer des scénarios un peu tordus. Et quand après, on sent que là, on est trop haut niveau, que les vues ne suivent plus, on passe ça sur du Letus, on déroule des parcours clients en Letus. Sur les web services, on est assez exhaustif, on teste toutes les erreurs. Les erreurs qui sont montées. Ouais. Tous les cas passants. Enfin, je crois que pour chaque méthode web service, on a 15 cas de test en plus. Non. Ça va sûrement venir, ouais. via Splinter en fait. Ouais. J'ai vu que vous avez intégré Soplib. Vous avez fait ça dans une app Django. Vous avez fait une librairie faire séparée. Vous avez utilisé. Comment vous l'avez fait? Alors, vous décoder, ça nous y répond bien. Plutôt Soplib. On l'a pris tel quel. Donc Soplib, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour faire du SOAP XML. C'est pas le plus efficace pour faire des web services, mais quand on s'interface avec du monde Microsoft. Pas trop au moins, on est sûr qu'ils ne vont pas foutre le bordel dans le contrat d'interface. Donc, en prod, il est directement branché dans le WSGI, mais on a une couche d'adaptation qui va notamment envoyer le signal début de requête, fin de requête, donc on est tout transactionnel. Et en dev, on a un petit adaptateur pour monter un web service SOAPLib, une appli SOAP, dans une vue Django, enfin dans un URL path, dans un URL conf. Alors, la difficulté justement de tester par contre du SOAP, c'est qu'il faut moquer les choses, donc on utilise Fudge pour ça. Non, c'est plus pour ça qu'on utilise Fudge que pour le SOAPLib. J'avais une question sur le process de review. Vous faites que une fois avant chaque release, pas c'est ça. Alors, quand on fait un commit un peu qu'on sent qu'il est touchy, on demande aux autres de reviewer. Ouais. On a un code review sur Google. Est-ce que vous n'avez pas eu des moments où juste avant les releases, il y a vraiment trop de code à revoir après? Les releases à 600 commits, je les ai sentis passer, oui. Et c'est à peu près, ouais, la moyenne, c'est quoi? C'est 450 à peu près? C'est entre 300 et 400 les releases standards, et grosse release à 600, bon, il y a une partie des commits que je ne relis pas. Quand on réécrit le process d'abonnement, bon, ok. Sur le processus de release, quoi, c'est time fix ou c'est quand on sent, quand on a les deux? Non, time fix. Voilà, c'est le jeudi on freeze, le vendredi on envoie le changelog.
vendredi après-midi, le lundi, les équipes d'AMOA expliquent aux clients ce qui va changer. Ce qui va changer. Et le voilà. Mardi matin, 7h30. Former éventuellement pendant ce temps-là les gens qui vont l'utiliser. Regardez, la nouvelle fonction est apparue. Est-ce que c'est bon, ça vous convient? On fait des captures d'écran et commence à jouer avec les screencasts pour bien former les gens juste avant la release, 3 jours avant. Quoi. Vous mettez pas en code le vendredi soir. On a essayé, mais ils n'ont pas aimé. Bon, bah écoute, parfait. Merci. Merci.